Salut tout le monde, c'est Ryzen, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Horizon Zero Dawn et on continue notre petite périple. Alors on était arrivé à la capitale dans le dernier épisode, enfin la capitale, oui c'était la capitale, des Méridiens, et on devait se partir vers ici. Donc la mission c'était rejoindre l'emplacement indiqué par Silence, ou Silence. Voilà, par Silence, donc on doit pénétrer une base secrète de l'éclipse pour faire planter le réseau des focus de la secte. Donc voilà, donc on était à peu près à 23% du jeu, mais rien qu'en quête principale. Voilà, donc ça fait un petit moment que j'ai pas joué à Horizon, ça fait peut-être une petite semaine. Donc c'est pour ça que je suis un petit peu perdu. Enfin un petit peu perdu, que je me rappelle pas tout direct, hein. Les autres épisodes, je les ai quasiment tous faits directement. On va faire affaire avec le marchand, on va regarder un peu les armes qu'il peut nous proposer. Mais elles sont toutes chères. On va voir pour revendre des trucs. La lance en garde. D'ailleurs, la lance, on a une arme, mais on n'a pas des armes. Comment dire? On n'a pas une lance violette, des fois. Croix-talle de l'ombre. Fronde. Non, la lance, je sais pas. On doit toujours avoir la même, sûrement. On va vendre des trucs quoi, parce que vous voyez, il y a des choses, on en a vraiment beaucoup. Ça vaut que 1. Bon, c'est pas grave. Vendre plusieurs, on va vendre les 47, on va en garder que 100. Hop. Ça fera toujours ça en plus. C'est pareil, on en a plein. On va en vendre 42, 41. Voilà. Ça c'est pareil, on en a 500, 600, donc on va en vendre. Ah, d'accord, bon, ça n'intéresse pas les marchands, ça va plus vite. Ça, 50, 100, 100, on va en vendre 8. Voilà. On va en vendre 35, on en garde 100. Parce qu'il faut penser qu'on a quand même les améliorations à faire. Là, on va en vendre 5. Hop, hop. Alors, ça le problème c'est que je veux garder quand même pas mal de choses. On en a 100, hop, on en a 27. Même si ça vend, si ça coûte pas des masses, c'est pas grave, au moins on en a. Ça par contre je vais pouvoir en vendre parce que on en drop, enfin on en récupère vraiment facilement. Voilà. On a des vertes, on a des bleus, os de dinde, peau de dinde. Lentilles de porte-mort. Ouais, c'est... D'accord. Donc ça, on peut en avoir besoin. Tiens, il nous reste que 49 places. Je vendrais bien des trucs comme ça à cœur de veilleur. Ouais, tu sais pas, on va vendre tout ça. Ça, on va le garder, mais on va vendre tous les trucs comme ça. On va voir ce qu'on récupère sur les. Ça, de toute façon. Ça, les verres, on peut les vendre parce que du coup, je m'en servirai pas. Lentilles. À part les peaux d'animaux. Parce que tout simplement, les peaux d'animaux, ça va nous servir. Pour des armes, là on en a 10, donc ça on récupère 100. Flambé, on garde 13 de cristal, on va garder ça. Lentille de tracker, on va vendre ça. On vend ça, on garde lentille, on garde ça, on garde viande riche, on peut vendre. On va en garder 15 lots. Pareil pour la viande des osseuses. On va faire un peu plus de tri, hein, du coup. Réceptacle métallique, c'est pareil. On en a plein. Voilà. Voilà, bon. Les modifications aussi, on peut dégager déjà toutes les vertes. On va commencer à s'équiper qu'avec des violettes. En plus, je peux récupérer les modifications que je mets sur mes armes.
Anticorruption, on s'en fiche. On va garder les que celles qui ont deux comme ça. 37 gel, 34 gel, on s'en fiche. On a plus intéressant. 18 dégâts, 26 gel. Là, on a 43 gel et tout. Anti-électricité. Bon, on va garder ça là pour le moment, pour en mettre 30. Bon, ça, par contre, je m'en fiche des comme ça. Moi, c'est principalement des dégâts qui m'intéressent, sauf pour le lance-corde. Voilà, bon, on a fait un bon tri, on a récupéré pas mal d'argent. Donc c'est cool. Donc on va essayer de partir maintenant pour notre quête. C'est par où qu'il faut que j'aille? Robuste. C'est par là. Aguerrir? Oui. Je souhaiterais te parler un peu. Non, mince, c'est par où? Mais putain, je vois pas ma. Je vois pas l'icône. Ah là. Je suis paumé, hein. Là. Là. Par là. Voilà, par là. Les pas. Allez, pousse-toi. On va faire une petite sauvegarde rapide pour sauvegarder un peu tous les changements. Donc on commence l'épisode en faisant un peu de commerce, hein, les potes. Ne vous inquiétez pas, faut toujours récupérer tout ce que vous trouvez. Parce que ça peut toujours faire de l'argent ou des choses comme ça. On va aller par là. Utiliser l'ascenseur. Là, au passage, on va en profiter parce que je crois que maintenant je peux faire des nouvelles capacités. Enfin, pas des nouvelles, mais au moins faire des capacités où j'ai l'argent. Enfin, je crois. Non, là, il me manque une peau de raton laveur. Eh ben mince. Voilà, c'est celui-là. Le lance-câble. On va le fabriquer. Ça me coûte 500 quand même. Mais bon. Hop. Voilà, normalement, lui, on peut plus. Voilà, bon, ça m'a bien vidé l'inventaire aussi. 200 cannes de rivage en moins. C'est ce qui sert à fabriquer les munitions. Donc le lance-câble, je précise, c'est ça. D'ailleurs, on va crafter les trucs. Comme ça va libérer un peu de place dans l'inventaire. Aussi, au passage. Donc là, il me manque une quatrième arme. Bon, il prend un peu de temps quand même à venir à l'ascenseur. Ouais, surtout. Ah non, c'est que je redescends comme ça à deux à l'heure. Bon. Eh ben, il vient pas l'ascenseur. Ah si, quand même. Voilà. Je sais pas à peu près à combien on est de réellement de pourcent de tâches de l'histoire principale. Comme vous le savez, comme je vous l'ai dit, je fais principalement, enfin je fais d'ailleurs en vidéo que les quêtes principales, parce que sinon ça ferait un let's play vraiment très très long si je devais faire toutes les quêtes. Vous imaginez toutes les quêtes qu'il y a sur le jeu et tout ce que j'ai pas découvert encore, hein, parce que regardez la carte, j'ai pas tout découvert, hein, mais enfin il y a vraiment énormément de choses. Donc, je pense que ça ferait vraiment beaucoup beaucoup d'heures de jeu. Donc c'est pas impossible, hein, que je fasse pas tout. Donc pour le moment je vais pas tout faire. Mais on verra peut-être plus tard. De toute façon je vais essayer de le platiner le jeu. Et on verra bien ce que ça donne. Hein. Très important. On va essayer de sauvegarder tous les feux de camp. On a perdu une dizaine de patrouilles derrière la vallée. Tout simplement pour pouvoir après voyager plus facilement au niveau des quêtes et pas perdre de temps comme on a fait dans l'épisode précédent où ben on est revenu directement à la capitale. Parce qu'il y avait je sais plus combien de pas, ça m'a marqué. 'Galloper. Il n'y a pas de poisson dans cette. Feu de camp. Ah, pas l'air d'avoir de poisson ici. Hein. Par contre, il y a des fleurs.
crois que c'est des phares. Voilà, pour mon sac de soins. C'est vraiment bien fait, hein. On va récupérer tout ce qu'on peut, comme on fait tout à l'heure. Regardez un peu tout l'argent qu'on a récupéré encore. Quand on aura vraiment toutes les améliorations au niveau max, tout ce qu'on récupérera, je vendrai. Donc je sais pas si on les aura toutes avant la fin de ce let's play, mais en tout cas après dans le jeu je revendrai tout. Et du coup je m'en servirai plus que pour acheter les armes. Donc je sais pas s'il y a des armes légendaires à trouver, ou enfin une arme légendaire, du moins la lance ou un truc comme ça. J'aimerais bien avoir une lance un peu plus puissante. Bon, même si celle-là elle est pas mal, hein. Je suis niveau 19, elle est vraiment pas mal. Oh, un veilleur. Et on récupère les éclats, toutes les choses comme ça. De toute façon, vous avez vu les modifications, je garde plus que les violettes. Comme ça, après, on a vraiment des bons arcs. Là, vous voyez, mon arc, il a deux violettes, une bleue. Donc, après, je récupérerai la bleue pour, à l'inverse, mettre une violette. Une violette qui m'intéresse, hein, du moins. Une qui va me booster les dégâts, etc. Là, je récupère pas tout, parce que sinon, on va y passer la nuit. Hop, on récupère ça. Ça, c'est les cailloux. Si j'en savais plus sur ces machines, direct. Je pourrais les pirater. Non, on va pas pirater, on va le tuer direct. On va faire un petit combat quand même. Merde, il est où? Ah, il est pas tout seul. Et ça recommence. Hop. Vous voyez, t'es mort toi aussi. Ils sont trop simples en fait maintenant à tuer. Allez. Bam. Hop. Vous voyez, c'est pas compliqué, hein. Je kiffe. Hop, on prend tout, on prend tout. On regarde pas ce qu'on prend, on prend tout. Et comme ça, quand on ira à la capitale, on revend tout ce qui nous intéresse pas. Donc les ingrédients verts, comme ça. Les lentilles, machin, qui ne servent pas pour en fait les armes violettes, hein, parce que maintenant on va essayer d'acheter. Oublié. Ben, il est où? Il m'a semé. What the fuck, c'est quoi ça? T'es fou toi? Pourquoi tu m'attaques comme ça? Tu veux mourir, frère? Ah, lui m'a donné une modif. Ça, c'est cool. Une petite flambée. Ça aussi, c'est cool. Utile. Ah, les modifications niveau vert, enfin verte là. Je vais toutes les vendre. Bon voilà, allez, on trace. On prend ça au passage. Oh, c'est des bandits. Thank you.
Putain, c'est cool ça. J'ai récupéré au taquet de trucs, une bleue là. Vert de machin. Si ça me sert pas, ça sera vendu. Hop, on va récupérer ça. Bon, on va commencer à aller à la mission quand même, parce que ça fait déjà un petit quart d'heure qu'on a commencé à tourner. On y est toujours pas, mais bon, de toute façon, c'est long, hein, on le savait. Je sais pas si on va y être du coup dans cet épisode là, mais bon, c'est pas grave, au moins on se sera avancé. On aura un peu farmé des combats, des bandits. Bon là, du coup, on se soigne avec notre sac. C'est bon, il me reste encore 2 vies entières. Voilà. Petite sauvegarde, comme ça, en même temps, on a mémorisé le nouveau... Enfin, on a mémorisé le feu. Allez, on va aller à l'autre. C'est par où? C'est par là. On va aller à l'autre. On va essayer d'avancer le plus rapide pour dans le prochain épisode, je pense. Si on n'y est pas atteint dans celui-là. Il n'y a pas de poisson quoi, frère, ils sont où les poissons? Pour que dans le prochain épisode, hop, on puisse avancer comme il faut. Au niveau de l'histoire, parce que c'est ça qui nous intéresse. Hein. Sérieux, il faut que j'aille en haut? Ah ouais, d'accord. Bon, bah oui, il faut que j'aille en haut. Et là, il y a des poissons? Il n'y a pas de poissons. C'est quoi ces rivières sans poiscaille là? On va monter tout là-haut. Ah, ça va être une bonne session d'escalade là, je pense. Hein. Ça va être assez sympa. Voilà. Hop. Tac, tac. Ça, c'est bien fait. Hein. C'est-à-dire qu'il y a des mecs qui se sont fait chier à faire... Enfin, je parle en termes RP. Hein, qui se sont fait chier à faire tous les emplacements pour... Tac, tac. Non! Ah bah ouais, bah là, j'ai un peu trop sauté là. J'étais trop sûr de moi, je crois. On a pris cher hier, mais on va se relever. Allez, motivation. Ah, mais on reprend loin. Oh non, ça pue. Bon. Ah, le jeu, mais il est vraiment, mais sublime, je le dis à chaque fois que j'y joue. Mais il est vraiment mais magnifique. Et là les potes, il y a un jeu. Bon, je pense que j'en reparlerai dans des vidéos avant que ça là soit sur la chaîne. Mais il y a un jeu qui me tente. Mais vraiment là, dernièrement, c'est... Enfin, il sort au mois d'août, hein, donc il y a un peu le temps. C'est La Terre du Milieu, l'ombre de la guerre. J'ai d'ailleurs Le Seigneur des Anneaux, l'ombre du Mordor. Que je pense... Bah, vous verrez des épisodes avant que cet épisode soit en ligne. D'Horizon et que je vais commencer du coup, comme ça vous aurez les deux, après vous aurez vraiment la suite sur la chaîne et ça sera cool, ça fera une petite continuité dans une saga comme je vais faire je pense avec Gears quand j'aurai le temps, et avec aussi Darksider plus tard parce que je les ai achetés, donc je vais sûrement les faire en let's play aussi. Donc voilà, comme je vous ai dit, hein, les let's play on n'oublie pas, on va reprendre aussi les anciens qu'on n'a pas fini, notamment avec Dragon Ball Xenoverse 1, tout ça, il faut que je m'y remette aussi. What the fuck, c'est quoi? Putain, il est trop bien fait le passage. Passage d'escalade là, il est sur la cascade et tout, c'est vraiment trop bien fait. Voilà, oh là là là, c'est magnifique. Hop. Hop. Voilà. Hop. Par le soleil. Pour et elle sera. Est-ce que c'est un truc allié ça? Je sais pas. Bon, que jamais. Ouais, c'est bon, c'est les alliés. J'ai tapé pour savoir si c'est un allié. Alors. Alors,
Faut qu'on aille par là. On est encore à 460, 56 pieds. Enfin, pas. Bon. Là, il y a des poissons dans cette eau, là. Ah, rien. Putain, mais c'est ouf, ça. Sanglier, raton, il y a quoi? Il y a des brouteurs. Voilà, nous, on trace par là. De toute façon, on s'en fiche. On est plein partout, normalement, munitions, ouais, 12, 12, 46, non. Voilà, là, mais bon. Ça coûte un peu d'argent et un peu de canne, de machin, mais bon, j'en ai largement assez. Je vais garder ça pour la route. Oh, c'est des herbes bleues. Oula, ça change complètement, là, d'environnement, là. Putain, on est passé full noir... Putain, il est beau le décor. Magnifique. Magnifique, magnifique, magnifique. Découverte, site de machine, coureur. Ou courseur, je sais plus. Qu'est-ce qu'il veut aller là? Vas-y, qu'est-ce que vous voulez là? Coureuse, bah, c'est cool que je l'avais pas. J'avais pas, je crois, celle-là. Mange toi. Eh ouais, faut pas jouer avec moi là, il est fou lui. Voilà, on les a déboîtés. Éclat de métal. Maintenant je me fais pucher, quand on m'attaque, je les défonce, ça va plus vite. Voilà. Je garde ça pour plus tard. Voilà, allez, on refait un peu le plein. 50, voilà, parfait. C'est des flèches améliorées. Un peu, enfin des flèches renforcées, du coup, comme ça c'est un peu plus agréable. Au moins on fait un peu plus de dégâts. Quand on va monter de niveau, on va faire un peu plus de dégâts aussi. Du coup, ce qui est logique. Là on est 19, on est bientôt 20. C'est cool. Je sais pas combien il y a. Je crois qu'il y a 50 niveaux en tout. J'ai regardé vite fait les trophées. Mais ça c'est important ça par contre. Voilà. En plus on va se soigner comme ça. Hop. Tout ça, on a deux barres de vie pleines. On a plus de 700 de vie, bonjour, 9, 9, 18, 6, 6, 6, ouais, 780 de vie de rab, plus les 390 qu'on a, donc on a un peu plus de 1000 points de vie de rab. Regarde bien, tu verras des prises jusqu'au sommet. Oh, un marchand. On va voir, qu'est-ce qu'on peut t'acheter, toi? J'ai pas la ressource qu'il me faut. Ah, si, ça, fronde de l'ombre. De toute façon, je veux l'acheter parce que j'en ai pas de fronde, il me semble. Non. Et j'ai quoi? J'ai encore le lance-corde d'origine, j'ai le lance-cap de l'ombre et l'arc de chasseur de l'ombre. Mais j'ai pas la fronde de l'ombre, mince. Donc on va l'acheter, parce que je peux l'acheter, donc du coup on va pas s'en priver. Ça, on pourra balancer des nouvelles trucs sur les ennemis. Crotale de l'ombre, c'est ça que je veux. Et je veux aussi fronde explosive de l'ombre. C'est quoi ça? Maniement 40, munitions... Ouais, ça donne... Ouais, c'est pas intéressant, ça. Fronde de l'ombre. Voilà, ça, c'est intéressant parce qu'on a trois types de... On a électrique, je crois que c'est gel, la première, avec les petits flocons. Gel, électrique et feu. Donc ça, c'est cool. Donc on va la prendre. On va la prendre. Hop, fronde de l'ombre. Et on va la mettre là. On va d'ailleurs, de suite... Tiens, on prend un peu de temps, là, pour tout se mettre en place. Mais c'est pas grave. Hop, on va aller là. On va la modifier, on va lui mettre des trucs pour qu'elle soit plus puissante. Là. Alors, qu'est-ce qu'on a? Gel et feu. Gel, dégâts. Gel, feu. Bah, nickel. Ça, c'est parfait pour ça là. Vu qu'elle fait gel et feu, il me faudrait une électrique. Maniement déchirure. Donc, électrique. Voilà, parfait. Et on va lui mettre la dernière. Gel et 6% de dégâts. On peut en remettre une. Ben voilà, gel et dégâts, voilà, comme ça elle a
6% de dégâts en plus, du feu et du gel et de l'électrique. Donc c'est, par contre en gel elle va être sacrément forte hein, parce qu'elle a 87% de gel en plus. Donc ça c'est parfait. J'ai vu aussi qu'il y avait ça là, hop, on l'a pas amélioré. Déchirure et feu, maniement et déchirure. Hop, on va lui mettre ça. Voilà, comme ça on a tout amélioré. Ça, est-ce qu'on peut mettre mieux? C'est quoi ça? 6 dégâts, 6 déchirures. 18 dégâts. 9 déchirures. Ouais, 18 dégâts, c'est plus intéressant. Voilà. Donc là, on a toutes nos armes de prête. Faites voir un peu. On va regarder. Bien sûr. Tac. On va crafter ce qui nous manque. C'est bien plus excitant d'entretenir le mystère. Voilà. Donc c'est bon, là on est pas mal en armes, on est pas mal, on a une nouvelle arme. Du coup je claque un peu d'argent, mais si ça gêne pas. Ah oui, j'oubliais. Pas de on, je fais tout ce qui est dangereux. Allez, on a perdu un peu de temps dans cet épisode, on va s'équiper. Je vais l'appeler, je vais lui donner un titre, je vais lui dire voilà, s'équiper ou on refait plein d'équipements, un truc comme ça. Enfin bref, je vais trouver un titre un peu en rapport avec ce qu'on a fait. Ah, il faut remonter encore. Par où on monte là ce coup-ci? Voilà les prises. Par là. Pile à l'endroit où tu l'avais annoncé. Hop. T'as entendu, Salens? T'aurais dû t'appeler Silence. Ou peut-être pas. Moi, qu'on est à 27 minutes, je suis à peu près 35-40 minutes l'épisode, donc ça devrait le faire. Assieds-toi près du feu, on va discuter un peu. Ah, il y en a un. C'est qui donc qui est là? Trop gentil à toi de passer me voir. Notre objectif cette nuit, c'est de faire planter le réseau. Oui, dis-moi plutôt ce que je ne sais pas. Comment? Pour commencer, tu dois infiltrer la base principale de l'éclipse. Quoi? Tu as entendu. Heureusement pour toi, je te fais passer par la petite porte. Cette fissure, juste là. Une fois dans la base, tu verras l'objectif. Un grand coup abandonné qui a été lourdement... modifié. Grimpe sur le grand coup. Fixé au sommet de son disque, tu trouveras un genre de module. Détruis-le, et tout le réseau de focus plantera. Alors tu faisais partie de l'éclipse? Je n'ai jamais fait partie d'un groupe. Je ne sers que mes intérêts, uniquement. Mais... il est vrai que j'ai... assisté l'éclipse. Avant de comprendre le danger qu'il pouvait représenter. C'était une erreur. Je fais tout mon possible pour la corriger. Quel genre d'assistance est-ce que tu leur as fourni? Passe par la fissure, Aloy. Tu as plus important à faire que de poser des questions. Ok. Donc lui, on apprend que c'est qu'il a assisté l'éclipse. Donc on verra ce qu'il aura fait faire. Alors, c'est parti. Je voulais quand même sauvegarder ici, au cas où. On va faire une sauvegarde manuelle là pour le coup. Voilà, allez, on a fait notre sauvegarde. On est prêt, de toute façon on a toutes nos armes. Voyons où cette fissure nous mène. Des machines corrompues. Elles patrouillent comme des gardes. Comme des soldats, plutôt. Gardés en réserve pour une future guerre. Tu vas devoir traverser. C'est le passage facile, ça? La petite porte. Je n'ai pas dit que ce serait facile. Pénétrer dans la base, je suppose qu'il faut pas qu'on se fasse choper. Ah putain, je peux pas passer par là en plus. Si j'arrive à tous les à tous leur faire une exécution, ça serait plutôt pas mal. Voilà, on avait déjà deux. On va en profiter pour toutes. Est-ce
que je peux le... Attends, il m'emmerde lui. Du calme. Allez hop, niveau 20. Alors, voyons voir les compétences. On a combien de points? Putain, on en a qu'un. Bon, bah, il nous reste cela à faire, il nous en faut 6. Sur 12. Essayer de se barrer par là. Allez, je vais te défoncer toi. Boum, je vais te défoncer. Hop, allez. Voilà. Putain, j'ai déjà XP plus de 4000 XP pour mon prochain niveau. C'est pas mal. Hein. Voilà, c'est ça que je cherchais. Voilà, merci. Merci. Qu'est-ce que t'as d'intéressant toi? Lentilles des hautes machin. Hop, on recraft ce qui on a dépensé. Toujours. Moi je craft toujours. Tout simplement. Comme ça, ça vide un peu mes sacs. Et quand on explore, eh ben, on peut tout simplement prendre plus. Alors là, il faut qu'on passe par là. Hop. Elle veut pas. Voilà. Hop, on va fouiller. On prend tout, ça va plus vite. On vendra tout ce qu'on a en triple, quadruple, machin. Attention,
Ce n'est pas ton problème. C'est une caisse, là, aussi. Putain, c'est encore plus puissant, là. J'ai envie de les défoncer, mais je sens qu'on va avoir tout sur le dos. Ça va, en 3 coups, on l'a démonté. Voilà, petite modification verte. Donc, modification qu'on va jeter très rapidement. Hein, ça nous fera de l'argent. Au passage, hop, une bluette. Voilà, ensuite, il y en a où? Putain, là partout. Oh merde! Putain, je suis mort. T'as dommage, on avait bien avancé là. Ah mince. J'ai voulu tous les défoncer et finalement, c'était un peu compliqué, hein. Attendez, deux petites secondes. Non, voilà. Ah, du coup on a plus l'XP qu'on avait. Dommage. On va refaire la même chose. Hein. Hop. Voilà. Alors, il est où le souci là? Qui c'est qui veut se battre? Ça en fait des trucs là. Je dois me préparer. Hop, hop. On leur sèche toute leur zone là où c'est qu'il y a des bestioles. Ça, il m'en faut. Ça aussi. Ça aussi, voilà, c'est de la vie. D'ailleurs, il faut que j'en récupère. Ah, c'est un cadavre carrément celui-là. Tac. Ça va pour quelqu'un qui a pas joué depuis depuis plus d'une semaine. Je me débrouille plutôt pas mal. Hein. En plus, je joue un peu plus agressif hein, là. Pour le coup. Ah, le porte-mort. Il est un peu rouillé, défoncé celui-là. Puis je joue un peu plus agressif, comme je disais. Alors. On va crafter des munitions. Ça, c'est que les munitions de base que j'utilise pour le moment. Enfin, les munitions de base. Oui, oui, si on peut dire ça. Hein. C'est une petite flèche améliorée, mais c'est pas oufissime non plus. Le grand coup est juste après tête. Tu le verras quand tu seras en haut. Prépare-toi, gère vite. Tu dois entrer et remplir ta mission avant qu'il ne sonne l'alerte. Voilà. Est-ce que tu vois ça? Je vois les pattes d'un grand coup en bas, mais pas de grand coup. Bon sang.
Le transmetteur a été déplacé. Regarde dans le ravin sur ta gauche. Il ne peut être que là. Bonjour l'informateur. Que du vent. Vers les explosions. Super. Tu n'auras pas de deuxième chance, Aloy. Alors épargne-moi tes sarcasmes et applique-toi. Tu vois ce pont au-dessus du ravin? Ouais. Mémorise son emplacement. Il y a un point de rappel sur le côté. On partira par là. Et ces soldats de l'éclipse? Évite-les ou tue-les, comme tu veux. Les explosions couvriront le bruit que tu feras. Trouve le grand coup et détruis le module à son sommet. C'est parti. Ellis est un véritable soldat. Concentré sur la victoire. Alors, on va mettre pause. On va s'arrêter là pour cet épisode-là, les potes. J'espère qu'il vous aura plu. On a un peu, on a marchandé, enfin, comment dire, on a fait des magasins, on a fait des emplettes, on a un peu défoncé pas mal d'ennemis. Et là, on va infiltrer la base principale de l'éclipse, normalement, d'après les infos qu'on a. Donc là, ça va devenir vraiment un peu plus compliqué, j'espère. Et on va voir si on arrive à l'infiltrer. Ce sera dans le prochain épisode, les potes. Sur ce, je vous dis à très vite pour un nouvel épisode. J'espère que cet épisode vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker la vidéo, n'hésitez pas à commenter et à me dire ce que vous en avez pensé, et n'hésitez pas aussi à vous abonner à la chaîne si le contenu de la chaîne vous plaît. Sur ce, les potes, je vous dis à